Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo achat. Je suis allée faire un petit tour à Noz et à Action. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc, moi j'ai pris des stickers. Moi j'adore les stickers qu'ils font pour mes cahiers de collage. C'est le top. Alors j'espère que vous voyez bien. Parce que comme l'autre jour, la luminosité, elle n'est pas top. Voilà, j'espère que ça ne bouge pas trop. Donc, j'ai trouvé, je vous l'ai montré. J'ai trouvé ceci. Celui-ci avec les petits ours, les petits personnages. C'est très rare qu'ils en aient, donc j'en ai pris plusieurs modèles. J'ai celui-ci avec la pipe, le petit raton laveur. Voilà, hop, là c'est avec des petits personnages. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai pris celui-ci avec les petits lions. J'espère que vous voyez bien. Excusez-moi pour la luminosité, c'est vraiment un temps qui fait très gris dehors. Et la luminosité, elle n'est pas top. Donc celui-ci, je crois que je vous l'ai montré. J'ai pris les petits animaux de la savane. Très enfantin. Mais très mignon aussi, j'aime bien. Donc j'ai pris cela. Ensuite, j'ai trouvé, ils n'en ont pas toujours dans mon action, j'ai pris des bases de cartes. Donc là, elles sont sympas parce que c'est des couleurs assez originales. Comme ils n'en ont pas souvent, j'en ai profité pour les prendre. Donc vous en avez 8. Donc elles sont vertes, foncées. Il y a du jaune et il y a du bleu. Vous voyez du joli bleu. J'espère que vous voyez bien la couleur. J'espère que ça donne bien. Donc j'ai pris deux paquets en couleur et un paquet de blanches. Donc elle c'est du A6. Donc il y en a 8, 8 cartes, 8 bases de cartes et 8 enveloppes. C'est du 100. Les enveloppes c'est du 120 grammes et les bases de cartes 240. Donc c'est le top pour faire des cartes. J'aime beaucoup ces lots de bases de cartes. J'ai pris également ce double face 3D, j'en ai jamais utilisé de celui-ci. J'avais envie de le tester parce qu'il a l'air d'être assez fin. C'est plutôt pas mal quand on a des petites choses à mettre en 3 dimensions. C'est un petit peu mieux que quand on a trop d'épaisseur, je trouve. Voilà, donc je pense que les prix, vous les connaissez. Le ruban mousse, il fait 56 centimes. Les bases de cartes, elles sont à 69 centimes. Les stickers, ils sont. Alors attendez que je retrouve la ligne. Ils sont à 99 centimes. Oui, c'est ça, 99 centimes. Ensuite, dans le rayon pack, pas dans le rayon scrap, mais dans le rayon pack, j'ai trouvé deux jolis rubans. Donc un vert. Donc c'est de l'organza, hein, il me semble. Avec des pois blancs, j'espère que vous voyez bien. Et un jaune, pareil, organza, avec des petites fleurs. Voilà, trop mignon. J'ai pris également, comme j'use beaucoup de masking tape, de washi tape pour mon carnet de collage, que je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai presque terminé ce cahier-là, il faudra que j'en trouve un autre. Donc voilà, pardon, j'ai fait du bruit, excusez-moi. Oui, c'est des trucs qui glissent. Ça va tous se casser la figure. Bref. Voilà. Tout se casse la figure. Bref. Donc voilà, donc je fais des collages. Et vous voyez, celui-ci est presque terminé. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Voilà, donc j'utilise pas mal de masking tape dans ces cahiers-ci de collage que je fais. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer en vidéo
les différents collages de ce cahier si ça vous intéresse. Et donc j'ai utilisé du masking tape comme je vous disais, et j'en trouve, donc je les prends en général par lot de 3 de temps en temps à Action. Et là j'ai trouvé cette jolie boîte avec plusieurs modèles, donc ça c'est trop bien parce qu'il y a plusieurs modèles et plusieurs tailles, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais jamais vu, ils en avaient jamais mis dans le rayon, donc je trouve ça sympa. Je vais essayer d'ouvrir. C'est une pastille autocollante qui retient la boîte. J'aurais aimé vous le montrer ouvert. J'aurais dû préparer mieux avant ma vidéo parce que là c'est un peu du n'importe quoi. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors attendez, hop, on va prendre les grands moyens. On va prendre le cutter. Voilà. Donc c'est une boîte en plastique, très pratique. Et donc voilà, il y a tous ces modèles là. Alors j'espère que c'est à l'endroit. Il y a tous ces modèles là de masking tape. Et vous voyez, il y a plusieurs. Il y a des fins comme ça, il y a des un peu plus larges et il y a du très large. Voilà, donc il y a de quoi faire. Je ne sais pas combien il y en a exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc là, j'ai de quoi faire. J'étais très contente de trouver ça. Et il coûte, la petite boîte, elle coûte, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'était autour de 3 euros et quelques. 3,49 euros la petite boîte, pardon. Donc je trouve que ça vaut le coup. Et voilà, hop. Donc ensuite, ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Toujours dans pour mon cahier de collage, j'ai pris ces tubes là qui vont très bien de colle. C'est la meilleure que j'utilise pour mes cahiers de collage. Je trouve que c'est la meilleure. Donc voilà ce que j'ai trouvé donc à Action. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait une petite commande récemment à Stampin' Up. Donc j'ai recommandé du papier en promotion. Donc que je vous avais déjà montré, c'est le papier avec les pêches et le papier de la collection Jolie Symétrie. Donc je n'allais pas vous le ressortir pour vous le remontrer, je vous l'ai déjà montré une fois. Donc si vous voulez aller voir comment il est ce papier, vous pouvez aller dans une vidéo haul Stampin' Up que je vous ai présenté il y a deux ou trois vidéos de ça. Et là dans la dernière commande que j'ai faite, j'ai rajouté ce petit lot de tampons trop rigolo avec les petites poulettes. Voilà. J'ai réalisé deux petites cartes tag, façon tag. Voilà. Donc là, c'est avec le tampon Stampin' Up. Et là, c'est un tampon Stampin' Up que j'avais dans mes affaires depuis très longtemps. Donc je l'ai ressorti, je l'ai un petit peu colorisé. Le papier jaune, je l'ai embossé avec un plioir de Stampin' Up également. Le ruban vert, il vient de Noz, il me semble, ainsi que le petit nœud. Il me semble que ça vient de Noz, je ne sais plus. Voilà mes deux petites cartes que j'ai faites. Donc le papier blanc, c'est le papier aquarelle de chez Action. Voilà, donc deux petites créations pour Pâques. En parlant de Pâques, j'ai pris quelques petites bricoles à IPRU pour faire ma déco de table pour mon expo. Donc j'ai acheté ces petits œufs. Alors je ne sais pas comment vous les montrer. Voilà, c'est des œufs décoratifs, hein, ils sont en plastique. Et j'ai pris ces petites pinces en forme de poussin. Voilà, pour accrocher mes petites cartes quand je ferai mon exposition. Voilà.
Donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé à Noz. Donc le Noz, il a changé de... Ils ont déplacé les vêtements, ils l'ont mis à la place des loisirs créatifs et ils ont inversé en fait. Donc voilà. Mais il n'y avait pas trop de scrapbooking, il n'y avait pas trop de loisirs créatifs. Hein. C'était pas... Enfin bref, j'ai quand même trouvé deux petites bricoles. Donc ils avaient, c'était les dernières, ils avaient des bases de cartes Pollen. C'est une très très bonne marque de carterie. Donc j'ai pris, donc il ne restait que ces deux couleurs. Donc il y en a 25 dedans. C'est du 210 grammes et ça coûtait 99 centimes. Donc j'ai pris les deux. Et assorti, j'ai pris les enveloppes. Et 99 centimes également. Là j'ai pris, il n'y avait que les enveloppes. Donc j'ai pris les enveloppes couleur lilas. Il y en a 20. Et elles coûtent 99 centimes également. Voilà, donc je trouve ça sympa. Pour faire mes petites cartes de printemps, ce sera cool. J'ai pris également, il en restait, il y en avait encore plein. J'en avais déjà pris la dernière fois que j'avais été. J'avais pris des cartes comme ça, des roses, des écrus, des bleus et des oranges. Et donc 79 centimes. Donc là, vous avez 10 cartes et 10 enveloppes. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour faire des... Bon, j'ai même fait un petit album avec. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis pour le prix, c'est plutôt top. Voilà. Après, j'ai trouvé... donc il y avait pas mal de dies, de découpes et des plioirs. Mais comme j'utilise pas fréquemment des plioirs de gaufrage, donc j'ai dit, je prends pas. Il y en avait un très joli, mais je me suis retenue de le prendre. Là, j'ai pris une matrice de découpe. Donc ça vous découpe en fait la base de carte, le devant de votre carte, pour faire un fond assez original. Donc ça va vous couper, et en fait ça fait autour, ça fait bordure de couture, des petits points. Donc ça, je vous montrerai un modèle de carte si vous voulez avec ce type de matrice. Donc c'est la marque, je ne connais pas du tout cette marque, Creative Expression, Craft Dies by Lisa Horton. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il marque de dies. Ah, j'avais pas vu. Il y a un grand dice pour couper en fait votre carte, votre base de carte. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait ce grand autour. D'accord, d'accord. Parce que je voyais qu'il y avait écrit 2 là. Et j'ai dit pourquoi il marque 2. Et oui, en fait, vous pouvez faire 2 couleurs en fait. Vous pouvez faire par exemple votre base, le grand rectangle. Je pense qu'il mesure, je vais vous dire ça. Le grand rectangle mesure 10,5, donc pile poil pour une carte. Ouais, sur 14,8, c'est exactement la taille d'une base de carte standard qu'on fait chez Stampin' Up. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc il y avait plusieurs formes. Il y avait des cœurs, il y en avait pas mal. Et je pensais avoir pris la forme cœur. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que j'avais pris celle-ci. Mais c'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Donc ça fait des fonds ajourés en fait. Voilà. J'ai trouvé également, donc ça j'ai trouvé au dernier moment. Je regardais un petit peu, je faisais le tour et ces tampons étaient perdus tout seuls. Donc j'ai trouvé, donc c'est de la marque Creative Expression. Donc c'est sur le thème du café. Moi j'adore le café, ça tombait bien. Et vous avez des petits cookies, des petits muffins, des grains de café. Donc ça, c'est génial pour coloriser aussi. On peut, bon, les mots sont en anglais, mais ce n'est pas très grave. Bon, ça me convient quand même. Et ça s'appelle Coffee Time. Je ne connais pas cette marque. Creative Expression. Voilà. J'ai trouvé ça sympa avec le petit truc de café, là. La tasse. Voilà, et j'ai pris j'ai pris pour le chat, hein. C'est un, j'aime bien leur bloc de papier, ils appellent ça sketchbook,
Il était à 2,99€. Il y en avait un gros paquet, un gros rayon, je veux dire, enfin un gros bac. Je vais y arriver. Excusez-moi pour le bruit. Donc, c'est des gros carnets comme ça, avec du papier un petit peu texturé. Bon, celui-ci n'est pas très épais. Celui que j'avais pris avant était plus épais, le papier. Mais c'est pas très grave. Je m'en sers pour notamment pour faire mes petits tamponnages. Voilà, quand je reçois mes tampons, j'aime bien les tester. Et en général, je prends ces petits blocs là qui vont très bien. Là, vous avez un carton très épais. Comme ça, vous pouvez bien tamponner avec le petit chat. J'ai craqué sur ce petit minou. Voilà. Bon, mais je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Je regarde sur la table. Oui, ma colle, les tampons. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. La dernière fois que j'avais été à Action, j'avais acheté, je vais vous dire, de vous montrer dans la vidéo. J'ai trouvé alors ça c'était dans le rayon, plutôt opaque. Oui, plutôt opaque. Là où j'ai trouvé en fait le ruban aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai trouvé des... Est-ce que je vais arriver à trouver là? Oh, c'est des stickers sur le thème de Pâques. Excusez-moi pour le bruit. Donc on a des petits stickers 3D comme ça. Un petit peu en mousse, on va dire. Un peu fi. On a une feuille comme ça avec des stickers un peu brillants. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Oui, peut-être. On a encore des puffies. J'espère que vous voyez bien. Parce que moi, je ne vois pas du tout ce que je filme. Là, voilà, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Comme ça brille. Je ne vois pas trop ce que je vous montre. Voilà. Par contre, le prix, je ne le saurais pas. Et je pense qu'ils en avaient plus déjà. Donc voilà. C'était un petit lot de stickers sur le thème de Pâques. Voilà, vous aviez tout ça dans la pochette. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Là, tout à l'heure, dans la foulée, je vais vous tourner, je pense, un tutoriel pour réaliser un... Oui, à Zeeman, j'ai acheté cette stickers-là. Je crois que c'est à Zeeman. Non, c'est à Hyper-U, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est à Hyper-U. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer d'autres créations que j'ai fait dans une autre vidéo. Là, je ne les ai pas sous la main. Donc là, je vais vous montrer un petit album que je vais faire. Donc, j'ai fait sur le thème de la fête des mères. C'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne Camélia Craft Design. Vous pouvez voir sa chaîne, elle propose des trucs super sympas et super simples à réaliser. Donc, c'est un petit trifold ou quatrefold, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, donc là, c'est ouvert de ce côté. Là, j'ai rajouté une petite pochette, comme ça. Là, j'ai un petit tag. Voilà. J'ai fait... donc là, j'ai mis une étiquette et un tamponnage de chez Stampin' Up. Les petits strass que j'avais dans mes affaires depuis très très longtemps. Là, on a une pochette pour mettre un grand tag. Ici. Ensuite, on tourne comme ça. J'ai fait encore deux pochettes pour mettre des tags. Je vais vous le faire en tutoriel. C'est assez simple. C'est réalisé avec une feuille 30-30. C'est un pliage assez simple. Et au dos, il est comme ça.
Donc j'ai mis un petit embellissement en bois que j'avais depuis des années, un petit tamponnage et deux petits strass. Là pareil, j'ai mis une rangée de strass, un petit papillon en bois que j'avais depuis des années. Et derrière, c'est comme ça pour mettre des photos. Et là, c'est le dos. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais la regarder avant pour voir si ce que je vous raconte, vous voyez ce que je vous montre quand même, ce serait mieux. Parce que là, je vous dis, j'arrive pas à voir ce que je filme. Donc, je vais essayer de retrouver encore un angle pour filmer qui sera mieux. Voilà. Et il se ferme devant avec une petite ficelle. Donc là, c'est les petites ficelles de chez Action, les petites pelotes, vous savez. Qu'il y avait un moment, je ne sais pas s'ils en ont toujours. Hop. C'est ces petites pelotes-là. Vous voyez. Et donc, j'en ai mis un petit peu ici et ici. Voilà. Donc, je vais vous faire ce petit tutoriel assez simple à réaliser, vous allez voir. Et je trouve que ça fait un résultat assez sympa pour offrir. C'est très, très joli. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.